Voilà. Si, voici une petite vidéo en sujet de, franchement, pour comment nettoyer un portable. Que ce portable-là n'a jamais été nettoyé. Ce portable-là n'a jamais été nettoyé. Depuis le temps qu'il est neuf, qu'il était mis en service, il n'a jamais été nettoyé correctement. Donc je vais vous montrer comment on fait ça assez rapidement. Hein? Alors, comme vous voyez, ben, il fuit du soleil. Hein? Il veut pas s'enclencher. Soleil, soleil, soleil toute la semaine. Bon. Dans ce cas, on voit ce pistor. Pistor. Là, on va marquer Sekiner. Sekiner. Donc, on a Sekiner qui est là. On l'installe. On peut l'installer. Hop, on l'installe. Sekiner nettoyeur, on l'installe. Il est un peu loin. Après, il faut le forcer parce que sinon, il y a de la pub dedans. Et comme lui il prend un petit peu de place quand même sur le disque, donc après je vais l'enlever. Bon, ici il y a un petit problème parce que mon portable il bloque. Voilà. Donc voilà, il est installé. Voilà. Il est là, on appuie sur. Hop. On le démarre. Voilà. On continue avec des pubs, mais pas des mises à jour, hein, ça bloque. Et là, il est parti, voilà. Commencez. Donc, recherchez dans les fichiers. Cette interface-là. Donc là, on va accorder l'accès. Autoriser. Là, on va aller chercher. Ça fait une recherche. Donc là, il y a toutes les applications hein, qu'on peut faire, qu'on peut nettoyer. Pour moi, ça sert à rien du tout. Donc là, on va en arrière. On accède au programme. Voilà, comme ça, là, maintenant, on a les recherches fichiers. Inutiles, même toutes les photos inutiles qui vont être effacées. Moi aussi. Donc, lui, il va tout effacer. Il fait sa recherche. Donc, là, maintenant, on va les résultats. Il y a tout ça à nettoyer. Et là, mets-toi, terminé. Donc lui, il va nettoyer tout. Elle a tout nettoyé. Elle a tout ça enlevé. Attends, pour aller voir les conseils, pas de soucis. Alors, 70 à 64, impeccable. Là, maintenant, c'est clair, je vais l'enlever. Parce qu'il ne sert plus à rien. Donc j'éteins ça. Je m'en vais dans les paramètres. On cherche application dedans. Oui, c'est application. Donc ici, on appuie sur.
gérer les applications. Et on attend parce qu'il cherche. Là, on a fait un séquinaire, on appuie dessus. Et comme on le voit, on peut le mettre en automatique, le séquinaire, le programmer. Alors, ça ne me sert à rien parce que moi, je vais l'enlever. Donc, désinstaller. OK. Voilà. Désinstallation avec succès. Donc voilà, il n'est plus là. Donc maintenant, je vais dans mon présentoir de mon portable. Je mets sur le logiciel nettoyeur, que c'est incorporé dedans. Lui, il va chercher comme agent nettoyer. Analyse. C'est analyse. Et on met toi. Et voilà, c'est nettoyé. Tout est propre. Il y a beaucoup de MO dans le V1. Donc voilà comment on fait, comment on nettoie, comment on nettoie correctement un portable neuf qui n'a jamais été nettoyé. J'espère que tout vous a plu. À la prochaine. C'est l'interface là. Donc là, on va accorder l'accès. Autoriser. Là, on laisse chercher. Ça fait une recherche. Donc là, il y a toutes les applications hein, qu'on peut faire, qu'on peut nettoyer. Pour moi, ça sert à rien du tout. Donc là, on va en arrière. On accède au programme. Voilà, comme ça, là, maintenant, on a les recherches fichiers. Inutiles, même toutes les photos inutiles qui vont être effacées. Moi aussi. Donc, lui, il va tout effacer. Il fait sa recherche. Donc, là, maintenant, on va les résultats. Il y a tout ça à nettoyer. Et là, on nettoie, terminé. Donc lui, il va nettoyer tout. Elle a tout nettoyé. Elle a tout ça enlevé. Attends, pour aller voir les conseils, pas de soucis. Alors, 70 à 64, impeccable. La moto cyclinaire, je vais l'enlever. Parce qu'il ne sert plus à rien. Donc j'éteins ça. Je m'en vais dans les paramètres. On cherche application dedans. Oui, c'est application. Donc ici, on appuie sur. Gérer les applications. Et on attend parce qu'il cherche. Là, on a fameux séquinaire, on appuie dessus. Et comme on le voit, on peut le mettre en automatique, le séquinaire, le programmer. Alors, ça ne me sert à rien parce que moi, je vais l'enlever. Donc, désinstaller. OK. Voilà. Désinstallation avec succès. Donc voilà, il n'est plus là. Donc maintenant, je vais dans mon présentoir de mon portable. Je mets sur le logiciel nettoyeur, que c'est incorporé dedans. Lui, il va chercher comme agent nettoyer. Analyse. C'est analyse. Et on met toi.
Et voilà, c'est nettoyé. Tout est propre. Il y a beaucoup de MO dans le VIA. Donc voilà comment on fait, comment on nettoie, bah, comment on nettoie correctement un portable neuf. Voici sur le fameux interface. Comme le logiciel Sekino a été enlevé, tout a été nettoyé. Donc maintenant, on va nettoyer le net. Donc c'est parti, on va nettoyer le net. Ici, l'interface ici qui est là. On appuie sur les trois petits boutons ici. On va dans historique. Et là, on efface tous les données de navigation. Donc, effacer toutes les données. Hop, on efface tout. Donc voilà, toutes les données sont effacées. Il n'y a plus rien. Tout a bien été effacé. L'historique a été effacé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui traîne. Ça, c'est bon, ce qu'il y a dans Google, ça. Donc voilà comment on fait pour avoir un portable nickel. J'espère que tout vous a plu. À la prochaine.